Flamme jumelle, blessure originelle, l'amour inconditionnel. Dans le voyage spirituel à la recherche de l'harmonie et de l'amour inconditionnel, la notion de flamme jumelle occupe une place prépondérante. Au cœur de cette quête se trouve un concept souvent méconnu mais essentiel, la blessure originelle des flammes jumelles. Cet article explore la nature profonde de cette blessure, son impact sur notre développement spirituel et personnel, ainsi que les voies de guérison qui s'offrent à nous. La blessure originelle des flammes jumelles réfère à la douleur profonde ressentie lors de la séparation initiale d'une âme en deux entités distinctes. Cette séparation est à l'origine d'un sentiment de manque, d'une quête incessante de complétude. La rencontre avec notre flamme jumelle dans le monde physique réactive cette blessure, souvent perçue comme un miroir de nos propres insécurités, peurs et blocages intérieurs. La guérison de cette blessure est un processus complexe et profondément individuel. Elle demande une introspection sincère et le courage de faire face à nos ombres les plus profondes. Voici quelques étapes clés pour entamer ce parcours de guérison. 1. Reconnaissance et acceptation. La première étape vers la guérison est de reconnaître l'existence de cette blessure. Accepter sa présence en nous sans jugement permet d'entamer le processus de guérison. 2. Travail sur soi. La guérison nécessite un travail intérieur profond. Cela peut impliquer la thérapie, la méditation, le yoga ou toute autre pratique spirituelle qui favorise la connaissance de soi et l'équilibre intérieur. 3. Libération des blocages. Identifier et travailler sur les blocages émotionnels, les croyances limitantes et les schémas comportementaux destructeurs est crucial. Ce processus libère l'énergie stagnante et favorise un état d'harmonie intérieure. 4. Pardon et compassion. Le pardon, envers soi-même et envers sa flamme jumelle, est fondamental. Il s'agit de transcender les douleurs et les déceptions passées pour s'ouvrir à l'amour inconditionnel. 5. Union intérieure. Avant de chercher à s'unir à notre flamme jumelle, il est essentiel d'atteindre une union intérieure. Cela signifie d'être en paix avec soi-même, d'accepter et d'aimer toutes les parties de notre être. La route vers la guérison de la blessure originelle est jonchée de défis, mais elle est également remplie de moments de profonde transformation et d'éveil spirituel. Chaque étape franchie est une victoire sur le chemin de la réunification avec notre flamme jumelle. Si vous désirez approfondir votre compréhension de la blessure originelle des flammes jumelles et découvrir d'autres conseils pour favoriser votre développement spirituel et personnel, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, explorons les mystères de l'amour spirituel et guérissons pour un avenir rempli d'harmonie et d'union véritable.